Après avoir pris connaissance des événements qui amenèrent à la perte de Tyran et de l'avant-poste impérial, l'inquisiteur Kritman ordonna immédiatement à son astropathe d'envoyer un message à l'Imperium afin de prévenir les différentes organisations de cette nouvelle menace, qu'il baptisa conformément à la tradition Behemoth. Cependant, il fut impossible pour ce dernier d'envoyer la moindre information, en raison des perturbations warp engendrées par le passage de la flotte ruche tyrannide, un phénomène qui sera plus tard appelé l'ombre dans le warp. Pire encore, celui-ci ne parvint pas à contacter le relais astropathique le plus proche, celui-ci étant situé dans le système Tandros. Par conséquent, Kryptman décida de se rendre dans le système afin de pouvoir communiquer avec le reste de l'Imperium. Mais à son arrivée, il découvrit que le système et sa principale planète avaient été également attaqués par la même flotte ruche. Les mineurs de Tandros 2 et 3 ne purent ni se réfugier dans les abris fortifiés ni fuir dans l'espace, et furent tous pourchassés et massacrés dans les galeries par les bioformes tyranniques. Le relais astropathique qui orbitait autour de Tandros 1 avait mieux résisté, mais une fois à court de munitions et d'énergie, il fut également submergé. Les savants et techniciens de la suite de Kryptman réussirent à réparer le relais autour de Tandros 1, et un message put enfin être envoyé pour prévenir l'Imperium de cette nouvelle menace xéno. Son astropathe parvint grâce à un effort incroyable à percer l'ombre dans le warp pour contacter l'Imperium, avant de s'effondrer en saignant du nez et des oreilles. Bien que le message de ce dernier était incomplet en raison des perturbations, il fut intercepté par le chapitre Space Marine des Ultramarines depuis leur planète chapitrale, et savait désormais qu'une menace s'approchait d'eux, bien qu'ils ne connaissaient pas sa nature exacte. Si le système Tandros fut attaqué par la flotte ruche, celle-ci fit d'autres victimes avant de s'attaquer à celui-ci. Non loin du système Tyran se trouvait la station d'observation Oculus, un bio-artefact capturé par l'Imperium plus de 9000 ans auparavant. Cependant, inconscient des événements survenus sur Tyran, l'observatoire ainsi que son équipage furent dévorés. Par la suite, la flotte ruche s'attaqua au monde orque de Jaga, la base d'opération des pirates orques nommée les Pilleurs des Étoiles. La grande flotte orque du capitaine Black Git, composée en majorité de croiseurs qui tuent, lancèrent une série d'abordages sur les bio-vaisseaux. Une fois à leur bord, les orques réveillèrent les Tervigons, qui générèrent sans attendre des nuées de Termagants, à un tel point que les orques furent rapidement submergés. Par la suite, les tyrannides utilisèrent les modules d'abordage des orques afin de massacrer les équipages des croiseurs. Black Git s'apercevant que la bataille tournait en leur défaveur, il essaya de s'échapper avec son vaisseau en chargeant le seul bio-vaisseau qui lui faisait face. Mais malheureusement pour lui, il s'agissait d'une imposante spore-mine. Également, deux vrilles mineurs de la flotte ruche dévièrent de leur trajectoire afin d'éviter le monde nécropole de Solemnas. Mais ces dernières ne trouvant pas d'autres proies à proximité, elles entrèrent en hibernation. Poursuivant sa route, la flotte ruche affronta la flotte d'exploration impériale d'Orsari et la vainquit sans difficulté, tandis que la planète nommée Helmond et les lunes de Rapson furent absorbées. Au final, avant que la flotte ruche ne s'approche du système Ultramar, celle-ci avait semé la mort et la destruction dans des centaines de systèmes. La première alerte de l'intrusion de la flotte ruche au sein du royaume d'Ultramar provint du monde Éden de Prandium, également surnommé le Jardin d'Ultramar. Malheureusement, celle-ci n'était que faiblement défendue, par conséquent Prandium fut réduit à l'état de roc. Cependant, des éléments de la flotte d'Ultramar répondirent aux appels à l'aide de Prandium et affrontèrent l'avant-garde de la flotte ruche. Mais cela n'arrêta pas cette dernière, et celle-ci continua sa route vers Makrag. Avec beaucoup de chance, Kritman parvint à arriver sur Makrag avant les tyrannides et rencontra Marneus Kalgar, le maître de chapitre des Ultramarines et seigneur de Makrag, afin de l'informer de la nature de la menace qui approchait à grands pas. Kalgar écouta attentivement les paroles de l'inquisiteur, lui détaillant notamment les événements survenus sur Tyran et du nombre de troupes impressionnantes que l'ennemi avait déchaînées. Et lorsqu'il eut fini son récit, Kalgar prépara ses plans en conséquence. Il savait que le système Makrag ainsi que la planète du même nom étaient le plus directement menacés. Par conséquent, il donna toute une série d'ordres afin de renforcer ses défenses déjà prodigieuses. Il savait que la bataille à venir allait dépendre de bien plus que la survie de ses propres domaines. Car si les tyrannides n'étaient pas arrêtés sur Makrag, l'Imperium n'aurait pas de nouvelle occasion de le faire avant qu'il n'ait parcouru des centaines d'années-lumière de plus. Des vaisseaux de guerre émergèrent du warp pour venir renforcer la dizaine de bâtiments déjà présents. Finalement, la flotte était composée non seulement des barges de bataille des Ultramarines et des croiseurs lourds de la flotte de défense d'Ultramar, mais regroupée également des navires marchands et des navires corsaires, certains étant commandés par les propres troupes de Kalgar.
Avec cette flotte de guerre, à laquelle venait s'ajouter la puissance de feu des stations de défense orbitale, Makrag était prête à faire face aux Tyrannides. Mais la surface de la planète n'était pas en reste, car les Ultramarines y avaient érigé une série de fortifications qu'ils allaient tenir avec l'élite des forces de défense planétaire. Si la situation devait empirer, les troupes au sol devaient se replier vers les forteresses polaires de la planète et tenir bon en attendant l'arrivée des renforts. À peine quelques semaines plus tard, l'avant-garde de la flotruche tyrannide atteignit Makrag. Un autre ennemi aurait peut-être été intimidé par un tel rassemblement de forces qui lui faisait front, mais ce ne fut pas le cas pour les tyrannides qui vinrent sans ralentir ni hésiter. Des biovaisseaux se jetèrent par vagues incessantes sur les défenses et la flotte impériale, et des dizaines, même des centaines d'entre eux furent détruits par les tirs des croiseurs d'attaque, des stations de défense orbitale et des batteries disposées sur la planète. Cependant, certains réussirent à s'enfoncer de plus en plus dans l'atmosphère de la planète pour libérer des grappes de spores mycétiques. Conscient que les nuées de tyrannides étaient trop nombreuses pour être affrontées séparément, Khalgar créa trois armées distinctes, chacune ayant un rôle précis. La première et la deuxième armée, composées de vétérans de la première compagnie et des forces de défense planétaire, se postèrent dans les forteresses polaires afin de contenir et d'éliminer les hordes tyrannides. La troisième armée, quant à elle, était commandée par Khalgar lui-même et était la plus grande de toutes, regroupant un grand nombre de soldats de la force de défense planétaire, du chapelain Hortan Cassius et des Ultramarines, dont la majorité appartenait à la deuxième compagnie. Avec son armée, Khalgar lança une série d'actions d'arrière-garde pour ralentir les hordes et éliminer les principales créatures synapses. Bien que cette stratégie fût un franc succès qui permit aux troupes disposées dans les forteresses polaires d'affronter les nuées avec des pertes acceptables, les tyrannides au fur et à mesure du temps débarquaient toujours plus nombreux. Alors que Khalgar se repliait vers le nord, des génovores jaillirent des égouts du spatioport Sirocco et massacrèrent le personnel et plusieurs pilotes avant d'être à leur tour abattus. Cet assaut surprise de lamina d'un seul coup l'essentiel de la flottille d'aéronefs de transport utilisée par les Auxilia sous les ordres de Khalgar. Et bien qu'il restait suffisamment de Thunderhawk pour ravitailler et déplacer ses Space Marines, il ne pouvait séparer son armée en deux. Conscient de cette réalité, Khalgar ordonna la formation d'un dernier carré à Cold Steel Ridge. À ce moment, les tyrannides avaient déjà livré plusieurs escarmouches contre les forces de Khalgar, et l'esprit de la ruche avait beaucoup appris des tactiques employées par celui-ci. Mais il comprit également que Khalgar était le principal obstacle à la progression de ses forces. Par conséquent, il dépêcha sur place le prince tyrannide que les archives impériales baptiseraient le maître des essaims. C'était ce même prince qui mena les derniers assauts sur Tyran et Tandros, perfectionnant tout autant sa ruse que sa stratégie. Pendant ce temps, Khalgar avec son armée fit en sorte d'attirer les tyrannides à travers des vallées et sur des ponts de glace, où ils étaient privés de l'avantage du nombre. Grâce aux tirs de bolteurs et de bolteurs lourds des Ultramarines, des tirs disciplinés des soldats et les tirs d'artillerie des forces de défense planétaire, les pertes xéno furent énormes. Tandis que des escouades d'appui rapprochées effectuèrent des frappes chirurgicales afin de tuer les créatures synaptiques. Depuis le début des combats à Cold Steel Ridge, les défenseurs avaient réussi à contenir les assauts des tyrannides. Mais lorsque le maître des essaims arriva, tout bascula. Des rôdeurs jaillirent du permafrost au milieu des auxiliaires du flanc gauche, les séparant de la force principale de Khalgar. Sans attendre, la deuxième compagnie des Ultramarines firent en sorte d'attaquer les rôdeurs. Mais lorsque le dernier d'entre eux fut abattu, ils réalisèrent que les soldats de l'auxiliaire étaient déjà tous morts, leur corps faisant office de festin aux Ormagons. Comme le maître des essaims s'y attendait, les Space Marines engagèrent le combat contre les Gons, laissant le Ben Blade Pride of Hera vulnérable, ce qui au vu des ravages qu'il provoquait dans les rangs tyrannides était son objectif principal. Sans attendre, ce dernier donna l'ordre à une vague de Carnifex de charger afin de le détruire. C'est ainsi que Khalgar, qui se battait sur le flanc est, assista impuissant à la destruction du Ben Blade et donc de la dernière force auxiliaire du flanc ouest. Menant par la suite la contre-attaque contre la vague de Carnifex, Khalgar comprit que l'ennemi n'était pas la horde sans cervelle qu'il avait cru affronter. Lors des heures qui suivirent, les subtilités du plan du maître des essaims furent une à une révélées à Khalgar. Des gargouilles et des harpies attaquèrent les sergents et officiers des forces de l'Auxilia survivantes, brisant de manière chirurgicale la chaîne de commandement. Par la suite, les forces impériales furent obligées de se disperser en raison de l'intensification des tirs de bombardement par les biovores, ce qui les laissa vulnérables face aux attaques des Molochs et des Trigons. Khalgar et ses Space Marines résistèrent avec vaillance à chaque nouvelle menace qui apparaissait, comblant et renforçant toutes les failles dans leur ligne de défense. Mais à chaque fois, le maître des essaims contra les tactiques qu'employa Khalgar.
Comprenant qu'il était impossible de tenir davantage, il ordonna à ses forces de battre en retraite à bord de la barge de bataille Octavius. Par conséquent, les Ultramarines devaient résister en attendant les Thunderhawks. C'est alors qu'à la tête d'une force composée de gardes et de guerriers tyrannides, que le maître des essaims se jeta dans la mêlée afin d'affronter Khalgar. À la vue de leur seigneur se faisant attaquer par un tel groupe de Xeno, l'ensemble des Ultramarines se redéployèrent afin de lui porter secours. Cependant, ils furent assaillis par surprise par des Ormagons provenant du flanc gauche. Des milliers d'entre eux ayant réussi à survivre en se cachant sous les piles de cadavres selon les ordres du maître des essaims. Néanmoins, face à la fureur des Ultramarines, ils ne firent que les ralentir. Mais ce temps gagné suffit à servir l'objectif du maître des essaims. Khalgar fut sérieusement blessé par le combat face au prince tyrannide, et la garde d'honneur du seigneur de Makrag, avec le soutien du reste des Ultramarines, fit en sorte de repousser le maître des essaims ainsi que ses forces afin de sauver leur seigneur. Peu après, des Thunderhawks provenant de la barge de bataille Octavius éliminèrent de nombreux tyrannides avec leurs turbolasers et bolters lourds, permettant de gagner assez de temps pour que trois des leurs atterrissent pour évacuer les survivants. Malheureusement, l'évacuation de Khalgar se fit au sacrifice du commandant de la garde d'honneur, Aloysius, quitta en respect le maître des essaims et ses guerriers. Finalement, la bataille de Cold Steel Ridge fut une défaite écrasante pour les forces impériales, car bien que Khalgar parvint à être évacué, son armée était détruite. Par conséquent, les forteresses polaires étaient livrées à elles-mêmes. Jamais la bravoure des Ultramarines ne fut autant mise à l'épreuve que lors de leur défense des forteresses polaires. Alors que Khalgar avait été évacué, les vétérans de la première compagnie menèrent les forces de défense planétaire dans un combat acharné, tenant leur position aussi longtemps que possible. Cependant, les bioformes arrivaient toujours plus nombreuses, et au fur et à mesure, ils furent obligés de céder du terrain, mais firent payer chaque mètre perdu par des centaines de vies xéno. Dans le même temps, les titans de la Légion Praetor combattaient sur la glace, exterminant des milliers de créatures à coups de plasma et d'obus. Mais un par un, ils furent jetés au sol et démembrés par les myriades de monstres. À la forteresse du pôle sud, des Termagants se forcèrent les défenseurs à se replier dans les entrailles de la base, tandis que des Carnifex armés d'immenses griffes ouvrirent des brèches à travers le roc béton afin que les Ormagons et Gargouilles s'y engouffrent. Les soldats de la garde impériale commencèrent à paniquer sous le coup de ces xénos imposants, et sans attendre, les Space Marines les rallièrent afin de leur redonner du courage. Les Ultramarines livrèrent un combat sans merci pour les repousser en usant de leurs armes lourdes à courte portée, mais pour un qui tombait, trois autres prenaient sa place. Finalement, les forces impériales se replièrent vers le cœur du complexe, la forteresse des anges, afin de livrer leur ultime combat en espérant voir arriver des renforts. Au nord, la situation était bien plus critique, car l'assaut tyrannide était mené par le maître des essaims en personne. Sa victoire écrasante durant la bataille de Cold Steel Ridge s'était répandue parmi les forces impériales, et le fait de savoir que ces xénos étaient dirigés par un tel monstre sema la terreur parmi leurs rangs. Invictus, le capitaine de la première compagnie des Ultramarines, était chargé de la défense de la forteresse du pôle Nord, un guerrier talentueux qui organisa ses troupes du mieux qu'il le pouvait pour renforcer et tenir leur position. Malheureusement, le maître des essaims était à même de profiter de la faille la plus insignifiante, et rapidement les Ultramarines se battirent dans les entrailles de la forteresse, les Terminators de la première compagnie affrontant des hordes de Génovores. Tout comme leurs frères de la forteresse du pôle sud, ils firent tout ce qui était en leur pouvoir pour résister à l'assaut jusqu'à l'arrivée des renforts. Si la guerre au sol se déroulait mal pour l'Imperium, celle dans l'espace n'était guère mieux. Lors de la première vague, la barge de bataille César fut détruite, tandis qu'à la troisième vague, ce fut au tour de la majeure partie de la flotte marchande armée d'être éliminée. Durant la 9ème vague, les stations Star Nova de Makrag n'étaient plus que des tombes désertes dérivant dans le vide. Et après la 12ème vague, les défenses orbitales de Makrag furent réduites en cendres, permettant aux tyrannides de consolider leur position et larguer des millions de spores vers les forteresses polaires. Une poignée de vaisseaux impériaux survivants se cachaient parmi les débris, leurs capitaines rassemblant leurs dernières ressources plutôt que de se sacrifier inutilement. Khalgar, une fois de retour dans son vaisseau amiral, refusa de recevoir davantage de soins après son combat face au maître des essaims, mais prit à la place le commandement des derniers vaisseaux impériaux et commença à harceler la flotruche alors qu'elle se disséminait pour encercler Makrag. Afin d'attirer les vaisseaux impériaux loin de Makrag pour empêcher ces derniers de soutenir leurs troupes au sol, l'esprit de la ruche, après avoir largué le gros de ses forces sur la planète, replia sa flotte en direction des anneaux du monde glacial de Circé. Bien évidemment, Khalgar mordit à l'appât. Non sans raison, car tout en poursuivant la flotruche, il réussit à contacter la flotte de combat Tempestus et à s'accorder pour effectuer une attaque groupée.
Cependant, les tyrannides disposaient également de renforts qui s'étaient dissimulés dans les anneaux de Circé. Ces derniers ayant auparavant déployé une force d'invasion qui fut facilement repoussée par les forces impériales sur Calf. Alors que Khalgar se prépara à affronter la flotruche principale, ses scanners l'alertèrent qu'une autre force venait s'ajouter à celle déjà présente. Fort heureusement, alors que les premières salves avaient à peine été échangées, la flotte de combat Tempestus émergea du warp et les tyrannides se retrouvèrent pris entre deux feux. Mais malgré ce retournement de situation, les forces impériales étaient toujours surclassées en nombre et la victoire était loin d'être acquise. Dans un geste héroïque, le capitaine du Dominus Astra, un cuirassé de classe empereur, fondit au milieu de la horde tyrannide et activa l'autodestruction de ses moteurs warp, créant ainsi un vortex qui aspira dans l'immatérium la majorité des biovaisseaux. Une fois la flotruche détruite, les derniers vaisseaux de Khalgar firent demi-tour afin d'atteindre Makrag au plus vite pour apporter de l'aide aux troupes au sol. Khalgar n'ayant plus de nouvelles des forteresses polaires, il envoya en avant-garde les 3e et 7e compagnies à bord de leurs croiseurs d'attaque, pendant que ces vaisseaux de ligne, plus lents et endommagés, rentraient du mieux qu'ils le pouvaient. La 3e et 7e compagnie se déploya au sol en utilisant leurs modules d'atterrissage, tandis que leurs unités de soutien furent déployées à partir de leurs Thunderhawks. Ces derniers assistèrent à un paysage de cauchemar, la banquise étant recouverte de montagnes de cadavres de bioformes tyrannides et des restes d'épaves de titans. La 7e compagnie ne rencontra aucune opposition au pôle sud et rétablirent le contact avec le restant de la garnison qui s'était retranchée sous terre. Et en combinant leurs forces, ils éliminèrent les dernières menaces présentes dans les différents niveaux de la forteresse. Au nord, la 3e compagnie fut attaquée dès son atterrissage par des centaines de créatures qui émergèrent des bunkers éventrés. Mais grâce à la puissance de feu des escouades Devastator et des Thunderhawks, ils furent repoussés dans leur tanière. Au vu de cet accueil, et avant de partir à la recherche de survivants, le capitaine Fabian de la 3e compagnie, accompagné du maître de la pureté, attendit prudemment l'atterrissage de ses 3 Dreadnoughts. La 3e compagnie avança avec prudence dans les couloirs du bunker, ces derniers étant plongés dans l'obscurité. Mais ils parvinrent grâce à leurs projecteurs à constater la férocité des combats, car les corps sans vie des bioformes tyrannides étaient innombrables, et parmi eux se trouvaient également les corps de leurs frères. Les cris et grondements des tyrannides résonnaient au loin, et des lictors leur tendirent de nombreuses embuscades. Mais les Space Marines les repoussèrent en utilisant la puissance combinée de leurs lance-flammes, leurs bolters et leurs armes de corps à corps. Cependant, des pertes furent malgré tout à déplorer parmi la 3e compagnie, car le combat rapproché contre ces créatures était toujours une entreprise risquée, même pour un Space Marine. Parmi les blessés se trouvait le chapelain Cassius, celui-ci ayant combattu un carnifex au corps à corps. Mais grâce à sa volonté de fer, il survécut jusqu'à l'arrivée des apothicaires. Finalement, la 3e compagnie parvint à atteindre le niveau inférieur, là où les défenseurs avaient établi leur dernier point de défense. Les cadavres des tyrannides formaient un tapis sur le sol de plusieurs mètres d'épaisseur. Et au milieu de la pièce étaient allongés les corps sans vie d'un groupe de Terminators de la première compagnie. Ils étaient morts dos à dos, là où ils se tenaient, chacun donnant sa vie pour protéger ses frères. Quand bien même la flotruche Behemoth fut vaincue en tant qu'entité unie sous le contrôle de l'esprit de la ruche, des vrilles de celle-ci étaient encore présentes dans l'espace impérial. Et il faudrait encore des années pour purger toutes les créatures de la surface de Makrag. Celle-ci avait aussi souffert de ce conflit, même si elle n'avait pas subi le même sort que d'autres. Et des milliers de cadavres tyrannides, si ce n'est plus, furent emportés pour être autopsiés et étudiés par l'Inquisition. Les rapports impériaux estimèrent également que le maître des essaims fut vaincu. Cependant, le corps du prince tyrannide, identifié comme étant le maître, portait de nombreuses blessures. Par conséquent, cette confirmation était loin d'être fiable. Pour les Ultramarines, cette victoire avait un goût amer, car celle-ci fut acquise à un prix terrible. La première compagnie du chapitre fut décimée, tandis que la 3e et la 7e compagnie subirent de lourdes pertes, sans oublier leur flotte. C'est seulement 841.M41 que la première compagnie verra ses effectifs dépasser les 50%, et en 861.M41, celle-ci sera de nouveau pleinement opérationnelle. Les noms de tous les Space Marines morts durant ce terrible conflit sont glorifiés chaque année à l'occasion de la fête des jours, mais furent également inscrits sur les murs du temple de la correction par Marneus Khalgar, et leur sacrifice est encore aujourd'hui un symbole d'honneur et d'altruisme au sein du chapitre. Si la bataille pour Makrag était finie, la guerre pour exterminer cette nouvelle menace pour l'Imperium de l'humanité et même la galaxie tout entière ne faisait que commencer.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire sous la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas le pouce bleu et à la partager sur les réseaux sociaux. Merci aux tipeurs pour leur soutien à la chaîne, et si vous avez également envie de la soutenir, un lien est disponible dans la description de la vidéo. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le lore de Warhammer 40 000.